vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo revenant sur l'article qui est paru il y a environ un mois sur le début de notre road trip dans le Waikato. Cela fait suite à la première partie des articles et également à la précédente vidéo qui est sortie il y a quelques temps, traitant de notre première semaine à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à revenir sur ces vidéos car vous pourrez découvrir ce que nous avons fait. Et cette vidéo est la suite logique de ce que je vous ai présenté précédemment. Donc reprenons là où nous nous étions laissés. Nous venions de récupérer la voiture à Auckland, donc dans un concessionnaire. Nous avons donc récupéré une Nissan Note. Pour cette voiture, nous avons payé environ 1 200 €, il me semble, pour 45 jours de location. Pour une Nissan Note, donc c'est une petite voiture, mais qui ne consomme pas énormément et qui s'est révélée parfaite pour notre road trip. Alors certains me demanderont pourquoi est-ce que nous avons choisi une voiture. Eh bien, tout simplement parce que c'était le moins cher. Un van, il faut compter quasiment le double, voire le triple du prix, et ce n'était pas forcément ce que nous souhaitions. Nous avons préféré partir sur une option camping avec une tente, etc. plutôt que d'avoir un van où nous aurions pu dormir dedans. De toute façon, je reviendrai sur tout ça plus tard. Donc alors que nous venions de récupérer la voiture, nous avons fait nos premiers kilomètres avec le volant à droite et roulé à gauche. À l'anglaise, évidemment. Et c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué au début. Alors je vous rassure tout de suite, hein, ça se fait très bien, il vous suffira d'une journée et ça ira tout seul ensuite. Mais les premiers kilomètres sont un peu stressants, surtout le premier rond-point, et ça je peux vous le dire. Petite info cependant, pour pouvoir conduire en Nouvelle-Zélande, il vous faut un permis international. À l'agence de location, ils ne vous laisseront pas partir avec la voiture si vous avez seulement votre permis français. Il vous faut un permis international qu'il faut demander en ligne sur les sites officiels. Faites attention parce que ça peut prendre quelques semaines à arriver, il faut s'y prendre bien à l'avance, un peu comme un passeport si vous voulez. Sinon, ils ne demandent pas grand-chose de plus, si ce n'est une photocopie de votre passeport et quelque chose comme ça, il me semble. Alors je m'excuse déjà pour le peu d'images qu'il reste de cette première journée de road trip car elle a été très stressante, beaucoup de voyages et nous n'avons pas fait énormément de choses. Nous sommes partis de l'agence qui se situait à quelques kilomètres de l'aéroport d'Auckland pour notre première destination qui était Hamilton. Donc située à environ 1 h 30 de route, à environ 5 km il me semble de la capitale, le trajet se fait très bien. Il s'agit d'une voie rapide qui dessert très bien et rapidement la grande ville qu'est Hamilton. Alors Hamilton est une grande ville, entre guillemets, hein, il s'agit d'une des plus grandes villes de Nouvelle-Zélande, mais ne compte, il me semble, que 100 000 ou 200 000 habitants. Hein, donc tout est relatif là-bas. Donc quand nous sommes arrivés à Hamilton, nous avons passé environ 1 h, 1 h 30 au sein du warehouse qui s'y situait. Là-bas, nous avons pu acheter notre tente, notre réchaud, etc., tout notre matériel de camping, ainsi que les duvets, un peu de nourriture également. Alors c'est très bien parce que c'est vraiment pas cher, cependant attention, c'est de la camelote. Enfin, c'est pas forcément de la camelote, mais c'est vraiment cheap, vraiment bas de gamme. Nous sommes partis sur ce choix-là parce que c'était financièrement ce qui était le plus viable pour nous. Cependant, vous pouvez acheter du plus haut de gamme au sein de magasins tels que Kathmandu, etc. Cependant, attention, c'est un peu des attrapes touristes également. Je tiens cependant à dire que tout notre matériel a tenu les 45 jours de road trip sans problème. Bon, je dois avouer que la tente, à la fin, que nous avons payé, il me semble, 75 $ néo-zélandais, donc ce qui revient à peu près 45 €, au bout des 45 jours, avec une utilisation quotidienne, elle commençait à faiblir un petit peu. Il y avait notamment un des pics qui commençait à faiblir. J'aurais pu dire qu'elle aurait fait encore 15 jours, mais c'était le grand max. Donc soyez conscients de ça. Donc après avoir fait nos premières emplettes au warehouse, nous avons décidé quand même de nous balader un petit peu dans Hamilton. Cependant, nous n'avions pas beaucoup de temps, car la nuit pointait déjà le bout de son nez. Donc nous avons passé notre fin d'après-midi au sein du jardin botanique d'Hamilton. Celui-ci est relativement grand, il abrite plusieurs jardins, donc des jardins type italien, type renaissance, type japonais, type français. Cependant, évidemment, quand nous y sommes allés, ils étaient tous fermés. Ouais, évidemment. Cependant, vous pouvez quand même déambuler un petit peu tout autour. Il y a notamment un petit lac avec une estrade, etc., qui était assez sympathique. Et quand nous y étions, il y avait un groupe de jeunes, ça devait être une sorte de grand repas de famille ou une petite kermesse d'école, je sais pas. Et ils étaient en train de faire de la musique, c'était vraiment sympa. Ça reste un très bon souvenir, nous y sommes pas restés très longtemps, environ 1 h, 1 h 30, peut-être 2 h grand max. Mais j'en garde un très bon souvenir avec tous les petits lampions, les petits jeunes qui chantaient, etc. C'était vraiment sympathique. Donc le soir arrivait déjà et nous sommes partis à notre premier spot pour dormir. Donc c'était tout simplement un parking où les vans et les camping-cars pouvaient se mettre juste à côté pour dormir. Il y avait des toilettes,
Nous, nous sommes garés sur le parking qui était juste à côté pour dormir dans la voiture tout simplement, car nous n'avions pas repéré de spot de camping pour planter notre tente gratuitement aux alentours. Alors le spot où on était, c'était à Ngara Waya, je vous mettrai le nom juste ici. Ou allez sur l'article si vous souhaitez avoir plus de précision là-dessus. Donc lors de cette première soirée, nous avons fait une première rencontre avec un monsieur qui est venu nous parler pendant que j'étais en train de faire du drone. C'était assez drôle. Le cadre était vraiment sympa, c'était entre deux rivières, avec un petit spot, etc. On a eu un super coucher de soleil, on a pu faire notre pop-up tranquillement, il faisait relativement bon. Je dirais aux alentours de 15-16 degrés la nuit. Donc c'était vraiment agréable. Rien à redire, c'était chouette. Après cette première nuit au sein de la voiture, je dois avouer que on avait quand même pas mal au dos. Donc au final, si mes souvenirs sont bons, nous n'avons pas dormi dans la voiture par la suite. Mais bon, c'est faisable. Et du coup, nous avons pris notre petit déjeuner tranquillement au bord de l'eau, c'était juste génial. Première vraie journée de road trip qui s'annonçait cool. Du coup, nous sommes partis pour notre première destination qui était Cambridge. Alors c'est situé à environ 20-25 minutes de route de Hamilton et c'était à environ 45 minutes de route de là où nous avions dormi. Donc clairement, Cambridge, c'est une petite ville, je dirais, très tranquille, vous ne pouvez pas y faire énormément de choses. Nous sommes garés sur la voie principale et nous avons commencé par une petite balade au sein du parc qui était juste à côté. Alors celui-ci est vraiment situé, je dirais, 10 mètres en dessous du niveau de la route. C'est assez particulier, vous y descendez comme ça, c'est assez sympa. Il y a un lac et vous pouvez faire le tour avec un petit pont, la végétation comme partout en Nouvelle-Zélande qui est incroyable. Et nous avons pu rencontrer des petits randonneurs, etc. qui se baladaient par là. Ensuite, nous avons continué notre parcours au sein de Cambridge. En nous baladant dans le centre-ville, nous avons pu y croiser certains antiquaires, des petites boutiques qui étaient sympas. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à faire. La chose à voir là-bas est la Clock Tower, qui est située vraiment en plein centre. Donc c'est une vieille horloge qui date des années 1800, quelque chose comme ça. Écoutez, oui, elle est jolie, mais bon, pas sans plus que ça. Nous en avons également profité pour nous rendre au muséum qui était situé un petit peu en contrebas. Donc c'est un petit muséum d'une petite ville, hein, clairement. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. Même pas une heure, on avait fait le tour, mais il y a quand même quelques petits trucs sympas. Donc notamment sur les soldats de la Première et Seconde Guerre mondiale, où ils trouvaient certains artefacts, etc. Donc c'est intéressant, la dame qui était et qui expliquait était cool. Donc il était presque midi déjà, donc nous avons rangé rapidement dans le centre et nous avons filé sur la grosse aventure de la journée. Et du coup, juste après manger, nous avons pris la direction du Shire's Rest. Alors, le Shire's Rest, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du point de départ pour Hobbit Town. Hobbit Town, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du petit village de Hobbit dans le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit. Alors, c'est situé à environ 20-25 minutes de Cambridge. C'est assez facile de s'y rendre. Cependant, il faut bien mettre le GPS parce que vous vallonnez un petit peu dans les collines. C'est pas hyper évident de s'y retrouver. Vous mettez le GPS, ça sera un peu simple. C'est assez bien indiqué cependant. Donc, vous arrivez sur un immense parking et vous arrivez donc dans une première boutique qui est designée un petit peu la même. Là, du Seigneur des Anneaux. Vous en doutez. Alors, première chose, il y a énormément de monde. Seconde chose, alors pensez à réserver parce que nous pensions juste arriver sur le tas et puis prendre le prochain ticket qui était disponible. Cependant, le matin même, je me suis rendu sur le site afin de faire une petite pige pour savoir combien c'était. Et je me suis rendu compte qu'il restait que 5 tickets et nous avons pris deux des derniers et une demi-heure après, tout était vendu. Donc, pensez à réserver parce que sinon vous prenez le risque de ne pas avoir de place. Il y a des départs tous les 10-15 minutes, il me semble, donc vous avez votre ticket avec votre heure de départ et votre groupe. Donc ce n'est pas un libre entrée. Je vous conseille d'arriver un petit peu à l'avance pour pouvoir vous balader dans la boutique tout simplement, parce qu'il y a des truc très sympa. Si vous êtes fan comme moi du Seigneur des Anneaux, vous allez kiffer. Ensuite, vous faites la queue et puis vous rentrez dans un bus. Ce bus vous emmène en 10 minutes, il me semble, voire même un petit peu moins, au vrai lieu de tournage qui se situe plus dans les collines. Pour cela, vous traversez donc des propriétés privées qui ont été prêtées par des fermiers, il me semble, et vous rentrez déjà donc, dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ensuite, vous commencez à apercevoir un petit peu quelques petites maisons qui se dessinent en contrebas. Et vous rentrez ensuite vraiment dans le set de tournage. Le bus vous dépose. Alors dans le bus, vous avez un petit speech donc, de Peter Jackson et le guide qui vous explique pas mal de choses. C'est assez intéressant. Mais pensez à regarder par la fenêtre parce que c'est également très bon. Donc ensuite, au bout de 10 minutes, le bus vous dépose et vous prenez la petite randonnée qui s'offre à vous. Donc attention, vous devez suivre votre groupe et suivre votre guide qui va vous expliquer pas mal de choses, notamment tout au long de cette balade au sein des 54 maisons de Hobbit qui
qui sont dessinées dans ces colis. Donc c'est un parcours qui est dessiné, vous devez suivre un certain itinéraire et un certain laps de temps. Cependant, le guide vous laisse assez libre. Hein. Si vous n'avez pas envie d'écouter et prendre des photos, vous pouvez. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez. Moi, je vous conseille de faire les deux parce que c'est super intéressant ce qu'il va vous raconter. Surtout si vous êtes fan. Donc, si mes souvenirs sont bons, la balade dure environ une heure et demie, quelque chose comme ça. Le guide prend son temps, mais cependant, vous avez une certaine cadence à respecter. Ne vous inquiétez pas, vous avez le temps de prendre autant de photos et de vidéos que vous souhaitez. Pour les amateurs de drones, c'est mort, n'y songez même pas. Et donc, oui, vous allez passer devant la fameuse maison du Bilbon, hein. Évidemment. Donc cependant, pour ceux qui ne le savent pas, l'intérieur n'est absolument pas existant. Tout ce qui a été filmé en intérieur a été fait en studio. Quand vous ouvrez une porte, et ben vous avez accès sur un petit sas de 2 mètres carrés et c'est tout. Il n'y a absolument rien d'aménagé à l'intérieur. Donc à la fin de votre visite, le guide vous amène au bar. Alors oui, effectivement, il vous emmène réellement au bar. Donc, il s'agit d'une sorte de restaurant, pub, auberge, ce que vous voulez, qui a été designé pour le film et qui est aujourd'hui réellement utilisé. Votre ticket, vous avez le droit à une bière. Vous avez 4 bières au choix qui vous sont proposées, qui sont vraiment uniques au lieu. Donc une sans alcool pour ceux qui conduisent, bien évidemment. Pour en avoir goûté deux, elles sont plutôt bonnes. C'est une curiosité. Vous avez environ une demi-heure au pub. Là, vous allez pouvoir vous balader un petit peu aux alentours, pas trop loin, vous n'avez pas le droit de revenir en arrière vers les maisons. Cependant, ça reste un cadre sympa et vous pouvez y faire quelques belles photos. Ensuite, le guide vient vous chercher et vous ramène avec le bus jusqu'au point de départ. Et c'est déjà la fin de votre aventure au sein du Seigneur des Anneaux. Mais ne vous inquiétez pas, par la suite, on va voir beaucoup d'autres spots qui sont encore plus impressionnants, je vous le promets. Ensuite, nous étions déjà au milieu d'après-midi, nous avons pris la route vers Matamatag, qui est situé à environ 20-25 minutes de Hobbit Town. Au sein de Matamatag, clairement, il n'y a rien à faire. Hein. Allez juste voir l'office du tourisme qui est designé comme les maisons des Hobbits. C'est chouette à voir, mais bon, rien de plus. Nous avons pris de quoi manger, et mine de rien, le soir comptait déjà le bout de son nez encore une fois. Donc là encore, pas de camping gratuit, donc nous sommes rendus au parking du First Tower Museum, quelque chose comme ça, donc qui est situé à quelques kilomètres de Matamata. Et là, comme la veille, il s'agit d'un parking où les vannes et les camping-cars peuvent se poser et peuvent s'alimenter. Nous avons croisé par chance le vigile et nous lui avons demandé si nous pouvions planter la tente sur le bout d'herbe qui était sur le coin. Donc il était favorable à ça, il n'y avait pas de souci. Du coup, nous avons pu poser notre tente pour la première fois. C'était agréable, il y avait quelques autres voyageurs avec nous avec qui nous avons pu parler. Nous avons fait notre petite popote et puis nous sommes couchés tranquillement. Par ailleurs, nous avons eu droit à un super coucher de soleil. Donc c'est tout pour ce début de road trip dans le Waikato. Je sais que j'aurais pu continuer un petit peu parce que vous allez voir dans la prochaine vidéo, nous allons continuer un petit peu dans le Waikato. Cependant, je souhaitais m'arrêter là pour rester en accord avec l'article qui est déjà relativement long avec tous les détails que j'ai pu expliquer. Je vous invite d'ailleurs à aller le lire, hein, le lien est dans la description. C'est sur le blog d'Amweb. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour la suite, donc notamment avec la péninsule de Coromandel et les quelques jours que nous y avons passés. Pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour que je puisse savoir ce que je peux améliorer ou non. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je poste des photos tous les jours. En ce moment, je mets pas mal de photos de la Nouvelle-Zélande. Je pense que ça peut vous intéresser. Je vous dis à très vite. Ciao !